a exprimé sa gratitude envers la population qui a soutenu sa campagne avec ferveur. Le candidat numéro 20 a rappelé l'importance de sa réélection qui consiste à consolider les acquis du pays. À la tribune, Guy Luando Mboyo a renforcé cet appel. Cette citation résume l'unité derrière Félix-Antoine Tshisekedi, appelé à briguer un second mandat pour consolider les acquis du développement. Le président de la République, candidat à sa propre succession, a foulé le sol du territoire de Bumba dans la province de la Mongala. Objectif, convaincre la population pour sa réélection à la tête de la RDC le 20 décembre de l'année en cours. Reportage signé Jacques Mégy, Olivier Makessé, Romain Bouta. Dans le territoire des Bumba, province de la Mongala, le rendez-vous du meeting du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, était au stade Père Carlos, plein comme un œuf. Slogan, chant, danse, la population en liesse a eu à promettre au candidat numéro 20 un second mandat. Dans son mot de circonstance, le ticket de l'Union sacrée est revenu sur ses réalisations, notamment la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, le programme de développement local de 145 territoires, ainsi que la problématique de début des travaux dans cette province. Le candidat numéro 20 a demandé un second mandat pour parachever ses projets en cours. Bumba est le fief de plusieurs ténors de l'Union sacrée, dont le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui tient à obtenir une majorité écrasante en faveur de son candidat président numéro 20 du 20 décembre prochain, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Miongo oyo bokoti sengai eza kosenga ke na deuxième mandat oyo bokopesa ngai na sale la des grands équateurs. Na laki bino boye lobi tango bokopesa ngai confiance botieli ngai oya bino mikanda na élection tokozongela misala nyonso ya kotombola territoire ya Bumba. Loso ya Bumba, toyebango, utabu mwana, toyebaka lisolo ya loso ya Bumba. Loso ya Bumba, tozaka kolia yango na Kinshasa. Kwete, tozalaki na libongo awa, esika nini bazaki kwamba, e biloko, e pati ndango na Kinshasa. Kasi nyonso wana ekufi, kona motema, mabe ya bokonzi, ezalaki, kokamba mboka Kongo. Na kopesa mwa maloba moke na mama, apesa bino mbote oboyeba ye mpe osengaki apesa ye bizu sikoyo aboya komona ye yebamona bino biso tolingi je wana ya kobombaka bamama te tolakaka bamama
mokonzi ya mboka opesa ye bambwa na bino nde bokomona mosale boya awa na ngai moko mpe na boya awa kobanda na bino merci mingi. Tous ont été au pied de l'avion pour accueillir leur choix de prédilection au scrutin de cette année 2023. Le candidat président numéro 20 est arrivé hier mercredi à Kisangani. Il a été porté en triomphe lors de son meeting à la place de la Poste, bondé de militants des partis politiques et sympathisants. Le candidat président Félix-Antoine Tshisekedi a été à l'écoute de ses électeurs de Kisangani et a répondu à leurs différentes préoccupations. Kisangani est tombé sans résistance sous les charmes du candidat numéro 20. Boyomès et Boyomé ont assiégé les abords de l'aéroport international Bangoka Kisangani pour réserver un accueil exaltant au président candidat numéro 20. La ville martyre a vécu une ambiance de fête sans pareil. Arrivé en fin d'après-midi par l'aéroport international Bangoka Kisangani, le chef de l'État Félix Tshisekedi, en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a été chaleureusement accueilli au pied de l'avion par les différentes autorités et représentants des forces vives de la province. En dehors des installations aéroportuaires, le numéro 20 a été porté en triomphe. Une marée humaine l'a accompagné tout au long d'un parcours d'environ 2 heures de procession. Chants, danses et slogans en l'honneur du numéro 20 ont marqué ces moments historiques. Noyé dans la foule, ce n'est que dans la soirée que le candidat président a atteint la place de la Poste sous les vivas du public. Grande était la joie pour cette multitude de gens amassés dans cet espace depuis les premières heures de la journée. Dans sa prise de parole, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est dit très ému par l'accueil. Dans cette forte ambiance, le meeting s'est immédiatement transformé en tribune d'expression populaire. Merci papa, papa Saramaloba. Papa, Mboka na biso ya Kisangani. Jeunes et vieux ont lors de cet échange direct fait part au chef de l'État de leurs différentes préoccupations liées à leurs conditions sociales. Très brièvement, le numéro 20 a rassuré cette population. Nayoki marche de lobby. Nayoki likamboya sécurité. Nayoki likamboya carburant. Ngai nazako la kabino carburant et rokitali soutou na bikoloyo. Nayoki makamboya banzela. Nayoki likamboya lubunga. Dans cette forte communion, Boyomès et Boyomé ont clairement fait leur choix, à savoir celui de consolider les acquis le 20 décembre prochain, plutôt que de repartir à zéro. Pendant ce temps, les notabilités du Sud Kivu soutiennent le processus électoral et appellent à la mobilisation générale pour un accueil chaleureux du chef de l'État à Bukavu. Le message est présenté par Joseph Kinzo, président de Tinya Buguma, au micro de Rikinzuzi. Nous, membres du comité de suivi de la notabilité de l'Est de la RDC et du Sud Kivu en particulier, nous invitons les membres de nos communautés, nous invitons la population du Sud Kivu, nous invitons la population de l'Est de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en tournée pour mobiliser la population afin d'aller aux élections le 20 de ce mois de décembre et sortir ce pays de ce cycle pour aller vers l'ère nouveau qui nous vient d'ici 2024 et la suite. C'est le moment de défier l'ennemi, l'ennemi qui ravage à l'Est, l'ennemi qui utilise les nôtres
pour continuer à nous garder à genoux. Il est temps de soutenir l'unité nationale, de soutenir la sécurité sur toute l'étendue de la République, de soutenir la prospérité pour un Congo nouveau. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé et il est prêt, comme il l'a toujours dit, à donner sa vie pour l'intérêt de la nation. Nous avons un chef d'État que nous nous sommes choisis nous-mêmes. Il est temps qu'on renouvelle son mandat et doit parachever ce qu'il a commencé. La campagne électorale est une période où chaque candidat se vend pour être voté. Au regard de certains comportements de violence dans différents coins du pays, le président de la Fédération de la diaspora congolaise, Maître Dieudonné Tshibwabwa Mbuyi, appelle la population congolaise à la tolérance et à la non-violence. Propos recueillis par Séverine Pascal Katanda. Depuis ce 19 novembre 2023, la campagne électorale soit lancée sur toute l'étendue du territoire. Nous tenons d'abord à féliciter la CENI et toutes les parties prenantes qui se sont battues bec et ongles pour que ce processus devienne réel. Et nous disons que tous devront respecter les règles de ce jeu. Que chaque parti, chaque camp instruise ses partisans sur le respect et la tolérance des autres. La tolérance des choix des uns des autres est importante pour la réussite de ce processus. Nous devons refuser toutes sortes de xénophobie, de racisme, de tribalisme, de clanisme, toute forme de discrimination, mais surtout insister sur le respect du caractère sacré de la vie humaine. Les divergences, les points de vue, les contradictions entre les personnes ne doivent pas faire de ces personnes des ennemis, mais cherchons l'intérêt supérieur de ce pays. Aimons ce pays qui est notre héritage. Faisons attention de ne pas tomber dans les pièges. Parce que dans des tireurs de ficelles et des prêcheurs de l'apocalypse en disant non. Nous croyons fermement qu'avec l'aide de Dieu, ce processus va se dérouler dans la paix. Ensemble, bâtissons et balisons les voies de l'espoir pour les jeunes générations en ce pays. Et c'est le Congo qui mène. Oui, pendant ce processus en disant que le meilleur l'emporte. Lancement officiel de la campagne sur la redevance aéroportuaire GOPAS en République démocratique du Congo. Il en a été question avec le coordonnateur national du programme multisectoriel et vulgarisation et de sensibilisation PMVS, Ludovic Kalingaï, qui a animé une conférence de presse au CEPAS. Le programme multisectoriel compte former dès demain vendredi les équipes pour sensibiliser la population sur l'importance de payer GOPAS en vue de développer le secteur aéroportuaire en RDC. Tout en mettant un accent sur le numérique. Jojo Ndibou, reportage. Cette conférence de presse animée par Ludovic Kalingaï, coordonnateur national du programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation PMVS dans la salle Léon de Saint-Moulin du centre CEPAS Gombe, a eu pour objectif le lancement officiel de la campagne sur la redevance aéroportuaire GOPAS, autrement appelé IDEF, Fonds du développement des infrastructures aéroportuaires, qui, pour lui, n'est pas une taxe, mais une redevance. Dans sa communication, Ludovic Kalingaï a démontré devant la presse l'importance et l'impact positif que revêt le paiement de GOPAS par le voyageur pour le développement de la RDC. Il a demandé à la population congolaise, aux voyageurs en particulier, de payer le GOPAS, car c'est à travers cette redevance que nos aéroports répondront aux normes standards internationaux. Par rapport à la sécurité aérienne, que si on essaye de supprimer GOPAS, c'est mort pour les infrastructures aéroportuaires. C'est vraiment mort. Parce que nous n'avons pas encore atteint le seuil du standard. Mais nous sommes en voie de l'atteindre. Ce qui signifie que nous devons continuer à le payer. Pour ce faire, des formateurs formeront des équipes qui vont, dans le tout prochain jour, se déployer sur toute l'étendue du territoire national pour sensibiliser et apporter la vraie information à ces sujets.
Et les agents et cadres du secrétariat général de la justice dotés de véhicules pour plus de mobilité dans l'exercice de leurs fonctions. Suivez. C'est un engagement tenu. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, met les cadres et agents de l'administration centrale dans les conditions de mobilité acceptables. Deux bus d'une capacité de 60 places chacun vont désormais servir de moyen de locomotion des fonctionnaires du ministère de la Justice. C'est sans commune mesure avec ses prédécesseurs, a dit le président de la délégation syndicale, Edmond Muyundo Kayuni. Rose 1, c'est le nom que nous avons baptisé la prime que nous avons perçue pour la première fois. Il y a eu Rose 2, dont le dernier est passé de 250 000 francs congolais à 500 000 francs congolais. Donc le double. Et l'élargissement de la liste des bénéficiaires de 405 à 1464 agents pour Rose 1 et de 1464 à 1584 agents bénéficiaires pour Rose 2. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, à côté de son vice-ministre, reconnaît l'accompagnement du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé, sans lequel rien n'aurait été possible. Je termine par dire encore merci à l'administration, à travers le secrétaire général, de la confiance que vous m'aviez accordée. Et aujourd'hui, cette promesse que j'avais faite s'est réalisée, et surtout que c'est à la veille des élections. J'espère que ce bilan qui est le mien, vous allez le porter aussi auprès de celui qui m'a mis à la tête de ce ministère. Une matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord. Il appartient désormais au secrétaire général à la justice de bien prendre soin de cette dotation. Rose Mutombo Kiese a également révélé avoir acquis près de 100 hectares pour la construction des maisons carcérales dans la commune de Maluku à Kinshasa. Dans la province du Haut-Lomami, l'inspection générale de la police renforce les effectifs sur la liste des inspecteurs de la police nationale congolaise. 49 nouveaux inspecteurs ont prêté serment hier jeudi devant le procureur général dans la salle Virunga, devant plusieurs officiels de la police et aux autres organismes internationaux. Cédric Kenina, Bijoué Kamba, reportage. Une Jeep 4x4 flambant neuf de marque Land Cruiser pour l'Assemblée provinciale et deux autres pour la police nationale congolaise. C'est une dotation du gouvernement du Haut-Lomami pour renforcer la mobilité des agents de ces institutions. Ces engins achetés sur fonds propres du gouvernement provincial ont été remis officiellement par la gouverneure de province Isabelle Kalenga Yuma. C'était en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale Marc Tembo et du général Francis Loukessou de la police nationale congolaise. Isabelle Yumba, gouverneur de la province, a insisté sur la bonne utilisation de ces véhicules. Nos œuvres qui peuvent dire quelque chose. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour vous présenter le véhicule que l'exécutif vient de doter, la province. Et nous avions pensé à l'Assemblée provinciale. C'est vrai qu'on est fin mandat, mais l'Assemblée reste l'institution est là. Nous avons besoin aussi que vous ayez, même ne fût-ce qu'un véhicule, qui peut permettre de faire l'itinérance de l'Assemblée. Sans que vous l'utilisiez à mon père de famille. Et c'est un honneur que vous aviez accepté à cette heure de venir. Nous vous remercions de tout cœur. Pour le général Francis Loukessou, ces jeeps vont permettre à la police nationale congolaise d'assurer la sécurité de la population du Haut-Lomami et de ses biens. Isabelle Yumba a exhorté ses services bénéficiaires à garder ces véhicules en bon état pour le bien de tous. Ce temps, la team Fatshi, coordination du Lualaba, est déterminée à faire réélire le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20 aux élections présidentielles du 20 décembre en cours. C'est ce qui a constitué le gros de la rencontre de cette structure avec les partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. RTNC Lualaba. C'est un événement historique de l'année 2023 qui ne restera jamais gravé dans les cerveaux des filles et fils du territoire des Sandoa.
Achille Moutete Kéloalé, candidat qui incarne le sens de l'avenir des filles et fils des Sandoa, arrive dans son fief natal ce mercredi 29 novembre 2023. Le candidat numéro 7 à la députation nationale et numéro 15 à la députation provinciale, l'honorable Achille Moutete Kéloalé, au volant de son véhicule, était obligé de s'arrêter dans chaque village le long de la route principale Kassaji. Une bonne façon pour lui de communier avec ses électeurs. De Kakotonoma jusqu'à Chimbalanga, les populations ont prouvé devant la face du monde que leur fils est favori aux prochaines échéances électorales à la nation et à la province. À Chimbalanga, l'honorable Achille Moutete Kéloalé s'est adressé devant ses électeurs dans son stade qui porte son nom. Juste après quelques minutes de communion avec ses électeurs de Chimbalanga et de ses environs, le candidat favori des Sandoa à la nation et à la province prend la direction des Sandoa City. Au niveau de la crotte mariale, c'est une marée humaine qui l'attendait. Achille Moutete Kéloalé a résolu de marcher aux côtés de ses électeurs où une foule en liesse l'attendait. C'est un événement dans l'événement sans précédent. Le champion du social a dans son speech invité ses électeurs à voter massivement pour le candidat numéro 20 à la présidence de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Toujours dans le Lualaba pour parler cette fois-ci du chef de la municipalité de Manica qui a consacré la journée du 27 novembre 2023 sur le terrain. Maître Thierry Sambumba et ses collaborateurs ont inspecté les magasins exerçant de leurs activités sur l'avenue Mandrandel afin de se rendre compte de l'applicabilité des mesures d'entretien et emplacement des poubelles devant les magasins pour garder la commune de Manica propre. Reportage signé Mamita Bangoulou. Faire rayonner la commune de Manica, ville de Kolwezi, province du Lualaba, c'est la préoccupation de maître Thierry Sampoupa Mujingawetu, bourgmestre de cette municipalité. Ce lundi 27 novembre, il a voulu appliquer la rigueur et suivi de son instruction et sa vision sur l'insalubrité en compagnie de ses collaborateurs et du comité de sécurité de sa municipalité. Maître Thierry Sampoupa était sur l'avenue Mandrandel au rond-point Mwangezi. Cet homme du terrain a fait parler sa rigueur légendaire. Magasins et autres activités commerciales n'ayant pas placé des poubelles devant la porte et n'ont pas appliqué l'instruction d'entretenir leur environnement mieux, le résultat était sanctionné. Les activités étaient carrément fermées. Déterminé à rendre sa libre son entité, l'autorité municipale de Manica veut aller jusqu'au bout pour garder l'environnement sa libre et offrir une bonne respiration à ses administrés en étant record. Le résultat est visible. Voilà qui fait la fierté de tous. C'était nu à Calais du 15 au 16 novembre dans la province du Sud Kivu et du 27 au 28 novembre à Bukavu. Deux ateliers en vue d'harmonisation et de collecte des données de la définition des axes stratégiques et des priorités pour le relèvement post-catastrophe et la validation du plan de relèvement post-catastrophe d'inondation de Calais. Reportage signé Gaëtan Magalano. Il s'agit d'une demande d'accompagnement pour la mise en œuvre du plan de relèvement post-catastrophe d'inondation de Calais, chiffré à 70 millions de dollars américains et qui sera validé par un arrêté du gouvernement provincial. Ces projets nécessitent également la participation de tous les acteurs étatiques du niveau central et provincial, dont le Fonds national de l'habitat, des autorités territoriales et traditionnelles de Calais, de représentants de sinistrés ainsi que des agences du système des Nations Unies et des organisations humanitaires. Je voudrais que les plans de validation soient aussi chiffrés pour qu'on ait une idée du coût que cela représente et les besoins qu'il va atteindre. Il va répondre à quel type de besoins. Une autre attente, c'est d'identifier si les modèles des relèvements marchent avec Nyamukubi et de commencer déjà à voir dans d'autres contrées où les mêmes situations pourraient se reproduire et commencer à répondre à l'avance et ne pas toujours attendre quand il y a catastrophe pour commencer à réfléchir autour de ça. Ici aussi, ce qui vaut, nous détenons déjà des plans pour répondre aux problèmes des logements sociaux. Tenus à Bukavu, dans le sud Kivu, ces deux ateliers avaient pour objectif d'harmoniser et de collecter les données ainsi que de définir les axes stratégiques de priorité pour le relèvement post-catastrophe d'une part et d'autre part pour la validation du plan de relèvement post-catastrophe d'inondation de Calais.
Le journal avec le mariage gratuit organisé par les autorités militaires de la province du Nord-Kivu en faveur de quelques policiers. Ils n'ont pas eu la chance de se dire oui devant l'officier de l'état civil dans une union consentante de leur vie. Arrivés au soir de leur vie, les voilà devant un officier de l'état civil. L'image est saisissante. Il s'agit des mariages devant l'officier de l'état civil organisés gratuitement par les bourgmestres policiers de la commune de Bungulu, ville de Beni, province du Nord Kivu. Un geste qui accompagne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit au total des 10 couples qui ont bénéficié de cette action, combien salvatrice, qui se sont dit oui pour une union légitime. Le commissaire supérieur adjoint Guy Vatoussidi, bourgmestre de cette commune dans la ville de Beni, n'en est pas à sa toute première action. Il en a posé d'autres, y compris des œuvres philanthropiques en faveur de la population des Béni. Le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Bassène Nanga, a défendu à l'Assemblée provinciale le projet d'édit portant le budget 2024, projet reçu à l'unanimité et versé à la commission ECOFIN pour toilettage. C'est après un aparté avec le président de l'organe délibérant du Haut-Touélé, honorable Afonde Afongenda Sumbu, que le gouverneur Christophe Bassène Nanga se prête à cet exercice, le cinquième et dernier de son mandat, après le coup de marteau du président dans une salle plénière où les corons est atteint en présence de tous les membres du gouvernement provincial. Dans la présentation de l'économie générale de ce budget, le gouverneur dévoile ce qui suit. Ce projet de dit budgétaire est présenté en équilibre en recettes et en dépenses de l'ordre de 428 272 829,95 francs congolais. Soit un taux d'accroissement de 14,29% par rapport au budget de l'exercice antérieur. Il est réparti en 5 axes du programme d'action du gouvernement provincial. S'en est suivi un débat général par les honorables députés, au terme duquel le projet d'édit portant le budget exercice 2024 est déclaré recevable presque à l'unanimité après la réplique musclée de Christophe Bassène Nanga le lendemain aux préoccupations lui soumises à la veille. Le projet d'édit concernant le budget de la province du Haut-Touélé pour l'exercice 2024 est jugé recevable. Motif de satisfaction pour les chefs de l'exécutif provincial. Un motif de satisfaction, non pas personnel, mais de toute l'équipe, mais aussi de toute la province, y compris eux-mêmes députés. Parce que nous avions intérêt, n'est-ce pas, à préserver cette stabilité. La députée nationale numéro 350, circonscription de Lubumbashi, a mobilisé samedi dernier ses sympathisants au quartier Kisanga dans la commune de Katouba autour de son projet de société et la réélection du président de la République, candidat à sa propre succession à la présidentielle du 20 décembre prochain. Sa campagne électorale a pris un virage important. Pour son meeting populaire tenu samedi 25 novembre 2023 au marché Lengue, situé au quartier Kisanga, Steve Mbayakalala, candidat député national numéro 350 dans la circonscription électorale de Lubumbashi, a rassuré ses électeurs. Ces personnes qui se sont spontanément mobilisées ont été entretenues sur son projet de société. Lui qui s'appelle désormais lieutenant de Fatshi a demandé à ce dernier de voter pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui selon lui doit briguer un second mandat à la magistrature suprême pour assurer la continuité de la relance du pays. Donc on a voté numéro 20, la numéro combien 350. Si beauté, soyons sereins,
parce que le 20 décembre, tu as voté Fachi. Il a pris le pays. Pays quoi na Mantundu ya mingi sana. Ananja mbele kujibiria Mantundu. Anajibiria Mantundu yote. Cet homme-là, c'est la personne qu'il faut rejeter. C'est la personne qu'il faut dire, « Achipanya kintu, eh, chitra, wa ulendo la sema moleshani biceps. » Mais yé, mutoto alifunda, mutoto alajua amuri ya bakongole, il s'est dit, « Olé akonesha biceps, tu vas fundishe kaji. » Bengine banasema o, Fatia alikuya, achipanya kintu, est-ce que njove le mambo nasema? Communion totale entre le candidat et ses électeurs, Steve Mbayaka Lala a réussi à électriser cette foule séduite par le fond de son message politique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous vous retrouverez tout à l'heure à 20h dans Ciel Audia pour une nouvelle session d'information. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la Radio-Télévision Nationale Congolaise.